Bien, bonjour à tous, c'est KillerFryer, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming 17, toujours dans ma pâtisse solo, et aujourd'hui nous allons faire de la fauche pour faire de l'auto-chargement pour les vaches. Donc voilà. Donc je tenais aussi à vous dire que la dernière vidéo que j'ai fait, on était au semis de maïs, et bon, les récoltes de maïs, je pense que je les ferai peut-être en off, la vidéo off, donc du coup, pour quand je récolterai le maïs, je mettrai peut-être pas ça sur YouTube. Je ferai peut-être pas de vidéo pour les moissons de maïs, donc voilà ce que je veux dire. Et sinon, l'autre truc que j'ai à vous dire, c'est que alors on a fait des semis récemment, là, la semaine dernière on a fait des semis. Donc on a fait, je vais vous montrer ça, le champ 27. Ah, attends, j'ai engagé un ouvrier, mince. Ah, et puis j'ai fait une bêtise, mais tant pis, bref. Voilà ce que je veux dire, bref. Le champ 27, on a semé du blé. On a fait les deux, on a semé du blé, on l'a partagé en deux, on a semé du blé et du soja, pardon. Et on a semé, quoi? Bon, on a fait que ce champ-là, on a semé ce champ-là, c'est tout. Et sinon, si j'ai téléchargé un nouveau mod qui est sorti dimanche dernier, qui est vraiment exceptionnel, c'est vraiment génial, je pense que c'est une reconversion. Mais franchement, c'est vraiment un bon mod que je vous conseille de télécharger. C'est le Follow Me. Donc les gens qui jouent à Farming connaîtront, je pense, le Follow Me. Mais ceux qui savent pas, c'est un mod qui permet de... Quand on est... Alors Follow Me, c'est-à-dire suis-moi en anglais. Alors ce mod permet simplement d'engager un ouvrier. Juste qui suive le tracteur, par exemple. En gros, si j'ai un ouvrier, si je fauche et que il y a une faneuse derrière moi, bah, elle me suit tous les mouvements, elle suit tous les mouvements que je fais. Donc si je coupe à droite, elle va couper à droite, ainsi de suite. Et franchement, c'est un mode qui est assez fabuleux. Que je vous conseille de télécharger. Sorti dimanche dernier, franchement, ça vaut le coup. Donc voilà. Donc là, je fais quoi? Je tourne ou... Ouais, non, on va faire un truc comme ça. Non, limite, c'est ce qu'on va faire. On va faire... ouais, on va... Oh non, on va même pas faire des détourages. Ouais, donc là du coup, je suis avec la faucheuse, une faucheuse Pottinger devant. Et une faucheuse Newland 10 combine, une conditionneuse, parce que tous les deux des conditionneuses, sauf que la nouveauté 77, on a une nouvelle conditionneuse avec roue, donc qui se pivote à droite et à gauche, que je trouve vraiment exceptionnel et formidable. Donc là, je crois que j'ai fait une bêtise, ouais, c'est bien ce que je me dis. Bon, un truc, pire, on va faire un truc vraiment simple. Ah non, j'ai pas fait de bêtises. J'ai même pas activé la faucheuse de devant. Donc voilà. Donc je vais activer. Alors, attendez. Non. Ça fauche. Mince. J'active celle de devant. Voilà. Je pense que je ferai peut-être pas d'autres vidéos pour l'auto-chargement. Je ferai peut-être... je filmerai peut-être pas l'auto-chargement, donc je verrai. Et de toute façon, après le fauchage, j'endainerai. De toute façon, j'utiliserai un endaineur pour assembler les andins et après je prendrai ça à l'auto-chargeuse. Ouais, je sais, j'aime bien faire aussi
les non-vues RP, mais là justement avec la continue c'est pas facile de jouer en vue réelle, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Non, j'ai un 10, ça prend bien de mon côté, du bon côté. Ok. Franchement, c'est bien qu'ils ont mis des rouleaux, mais je sais pas comment je pourrais dire. Ouais, c'est pas mal qu'ils ont mis des rouleaux, mais les rouleaux se sortent surtout pour les cultures comme la luzerne. Mais après, c'est pas mal. Ils auraient dû mettre des fléaux, mais j'espère qu'ils vont mettre. J'espère que quelques modeurs ou farming simulateurs, la communauté va créer la faucheuse. La faucheuse Kune, la conditionneuse Kune là qui est sortie récemment, il y a 2 ans je crois. Ils ont fait une belle faucheuse Kune et ça me plairait qu'ils la mettent sur Farming 17. Ça serait vraiment bien, mais bon. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Donc ouais, je ferai peut-être pas de vidéo les 2 prochains jours là, samedi, dimanche, je ferai peut-être pas de vidéo parce que le jour où je la tourne, on est vendredi 18 novembre 2016, donc je ferai peut-être pas de vidéo le samedi prochain et dimanche, je sais pas, ça dépend de ma fatigue, parce que je suis au lycée, et, non, je serai peut-être reposé samedi, dimanche, mais bon, samedi, je sais pas trop. Ah, je fais des vidéos pour m'amuser, pour me divertir, tout ça, mais c'est plus. J'aime bien faire du swing, bref, voilà. Sinon, c'est surtout. Comment dire, que je vais peut-être aller chez des copains. Je vais peut-être profiter un peu de mon week-end, donc je verrai. Donc ce sera une petite vidéo qui sera consacrée à la fauche aujourd'hui. Et je pense qu'on va pas trop s'attarder là. C'était plus pour vous montrer comment ça se passe la fauche. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Allez, ciao tout le monde.